Bienvenue sur notre chaîne Crédit Théo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment renseigner vos partenaires bancaires. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur l'onglet « Banque » qui se trouve sur la partie gauche de votre écran. Sur cet écran, vous allez pouvoir consulter les partenaires que vous avez déjà renseignés précédemment. Pour créer un nouveau partenaire bancaire, cliquez sur l'onglet « Nouveau pôle immobilier » qui se trouve juste en dessous de la barre de recherche. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Il est impératif de renseigner tous les champs. Renseignez le pourcentage de commission pour les différents types, mais également commission, plafond prospect et client, toujours exprimé en euros. Et enfin, le délai de règlement, exprimé en jours. Ces informations sont importantes, car dans votre facturation, le logiciel aura tenu compte des éléments que vous avez renseignés préalablement. Nous allons renseigner les informations concernant les agences et les contacts. Pour créer une agence, cliquez simplement sur la petite croix verte qui se trouve en haut à droite de votre écran. Une fois que vous aurez saisi toutes les informations, n'oubliez pas de valider. Pour renseigner un contact pour l'agence CICS, il est impératif de réitérer la même manipulation. Dans l'onglet « Banque », désormais, figure l'agence que nous venons de créer ensemble. Nous venons de voir ensemble le paramétrage de l'onglet « Banque ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi sur les différents réseaux sociaux, afin de rester toujours informé sur nos actualités et sur les prochaines fonctionnalités du logiciel Crédit Théo.